Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour une partie de pêche au bord de l'eau, plus particulièrement au bord d'un carpodrome. Aujourd'hui on va démarrer à la patte, assez court, je vais vous expliquer pourquoi. On va aussi faire un coup au bord. Je vais ensuite m'éloigner un peu plus de la bordure pour pêcher à l'expander ou au maïs sur un tas de petits pelés. Et j'essaierai en fin de partie de pêche de prendre quelques poissons en surface en les faisant monter à la grainage. Ça va être aujourd'hui aussi pour moi l'occasion de tester les nouveaux kits, les F1 Super Specimen. Ils ont la particularité d'être un petit peu plus courts, donc je vais vous montrer comment je les utilise et pourquoi je les utilise, et je vous ferai un petit compte rendu à la fin de la partie de pêche. Donc, je vais rapidement vous présenter ce que j'ai sur la desserte aujourd'hui pour ma partie de pêche. D'ailleurs, j'en profite juste pour vous donner une petite astuce. Quand on pêche les carpes comme ça et qu'on prévoit de faire des bordures, c'est quand même important d'avoir la desserte assez basse, ça nous permet, il n'y a rien qui nous gêne, c'est quand même plus agréable pour pêcher, donc c'est pour ça que ma desserte elle est un peu basse. Donc je vais vous présenter ce que j'ai aujourd'hui pour pêcher, donc c'est des pelets de 2 mm que j'ai mouillés un petit peu. Je les ai mouillés parce qu'il y a de l'eau, pour être sûr qu'ils aillent bien au fond, je veux pas que ça travaille de trop, je suis tout seul au bord de l'eau, il n'y a pas de pression de pêche, donc les poissons je vais en attirer, mais je veux pas trop en attirer, sinon je vais harponner, je vais rater des touches, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais utiliser des pelets de 2 mm un peu mouillés, ils vont un peu moins travailler. Ensuite j'ai de la pâte, donc ça la pâte, la Super Goon Past, que j'ai mouillée, que j'ai tamisée, c'est ce qui va me servir pour attaquer la pêche, on va voir comment je vais attaquer un peu la pêche. Ensuite j'ai des pelets de 2 mm secs, on sait jamais, si jamais il n'y a pas de touche, ça devrait pas arriver, mais je vais quand même... J'en ai quand même sur la desserte au cas où il faille attirer un peu de poisson. Des pelets de 4 mm. Les pelets de 4, je les mouille très très rarement. Je les utilise tels quels. Voilà. Ensuite, j'ai des pelets de 6 mm. Ça, je vais m'en servir peut-être à la fin pour pêcher en surface, pour commencer à grainer. Les 6 mm, ils vont faire un petit peu plus de bruit que les 4 mm. Donc, je m'en servirai peut-être pour attaquer la pêche au grainage. Ensuite, j'ai mes expandeurs. Ça, j'ai ça toute l'année sur la desserte quand je vais pêcher les carpes. Les nouveaux expandeurs de cette année, c'est vraiment top. En 6 mm et en 4 mm. Je les prépare la veille. Je les mets dans une boîte, je les recouvre tout simplement d'eau. Je les mets au frigo. Je les récupère la veille, enfin le lendemain pour pêcher. Et ils sont top. Et ensuite, j'ai mon maïs. Classique. Quelques souris, des pompons que je vais utiliser à la fin pour pêcher en surface. J'aurais pu le faire à l'asticot, j'ai pas d'asticot, donc je suis tout seul, encore une fois, il n'y a pas de pression de pêche au bord de l'eau, donc je vais le faire au pompon en grainant des pelés. Après j'ai mes boîtes d'hameçon si jamais il faut changer l'hameçon, mes frondes, un tablier, et puis voilà, c'est parti pour la pêche. La règle numéro 1 en carpodrome quand les eaux se réchauffent, c'est... surtout pas attaquer trop loin. Quand il y a des pêcheurs au bord de l'eau, généralement les carpes elles mordent bien la première demi-heure et ensuite elles reculent au fur et à mesure. Donc faut surtout pas commencer trop loin parce que le problème c'est que si on commence trop loin, on va avoir des touches au début et au bout d'un moment on va manquer de rallonge et on va perdre les carpes et c'est pas bon. Le plus important c'est de gérer les distances de pêche par rapport au temps. Donc aujourd'hui je vais commencer à 5 éléments de canne, donc à 5-6 mètres. Je vais prendre des poissons, ça devrait se calmer. Ensuite, je vais rallonger, je vais suivre un peu les poissons et en fait, on va s'adapter aux poissons. Dès que les eaux se réchauffent en été, surtout, il ne faut pas commencer trop loin pour justement garder des bouts de canne et suivre un peu les poissons qui vont reculer au fur et à mesure de la pêche. C'est pour ça qu'on va attaquer à la patte. Pourquoi la patte? Parce que déjà, j'adore cette pêche et c'est vraiment efficace quand les eaux se réchauffent. La Super Goon Past, c'est un super produit, ça attire vite des poissons. En plus, à la patte, généralement, on n'utilise pas des petites lignes. Moi, personnellement, j'utilise des nylons entre 22 et 25 centièmes. Des gros hameçons entre 10 et 12, les 43-15. On attaque avec une grosse boule de pâte, on peut tirer sur les poissons, donc ça permet de tirer sur les poissons, de mettre des poissons dans la bourriche, et c'est vraiment efficace. Sur ma ligne à pâte, il y a deux écoles. Il y a ceux qui pêchent à la pâte sans plomb sur la ligne. Moi, personnellement, j'aime bien mettre un peu de plomb. Je sonde ma ligne de façon à ce qu'en fait, la boule de pâte vienne vraiment reposer sur le fond, et c'est la boule de pâte qui va finir d'équilibrer ma ligne. Ce qui fait que si la boule de pâte vient à s'enlever de l'hameçon, mon flotteur va ressortir et je vais tout de suite le détecter et ramener, remettre une boule de pâte. Ça m'évite de pêcher à vide. C'est quand même mieux quand on veut prendre des poissons. Je viens juste mettre ma boule de pâte dans la micro-coupelle.
Généralement, sur les premières coupelles, je mets quelques micro-pelés, là des 4 mm, pour attirer un petit peu, mais dès que j'ai une cadence de touche suffisante, j'arrête de mettre des pelés et je travaille uniquement avec la patte. J'ai remis encore un peu plus de fond pour vraiment, vraiment ferrer la bonne touche parce que des fois la ligne elle se positionne mal et en mettant un peu plus de fond, tant pis le flotteur il ressort un peu plus, mais au moins je ferre vraiment la bonne touche, la touche qui part comme ça et c'est nettement mieux. Donc c'est pareil pour la patte, j'utilise pas des petits élastiques. Des élastiques entre 2,4 et 2,7, faut quand même tirer un peu sur les poissons. On pêche avec des gros hameçons, du gros nylon. Et c'est généralement pas des poissons qui se décrochent parce qu'ils viennent vraiment pour bouffer la boule de pâte, manger la boule de pâte. Ah, elle est toute... Elle a une forme un peu particulière celle-là. Bon, ça fait maintenant une demi-heure qu'on pêche, pris un ou deux poissons à la patte, mais on sent que ça va pas, c'est pas ce qu'elles veulent manger aujourd'hui, c'est pas grave. Je vais aller mettre la ligne au bord. Aujourd'hui, je vais pêcher légèrement sur la pente et je vais bien mettre mes coupelles près de la berge. Pour l'amorçage, j'ai mis une coupelle pleine de pelée de 4 mm et du maïs. J'ai volontairement chargé, c'est quand même des poissons qu'il faut attirer. Donc là maintenant, on va aller y mettre la ligne, on va voir si les poissons se sont installés sur la coupelle. Donc là, pour la pêche au bord, je vais utiliser les nouveaux kits, donc les F1 Super Spécimen. Donc déjà à manier c'est super agréable parce que c'est court, donc c'est léger, on a l'impression de rien avoir dans les mains, mais par contre c'est quand même puissant. Aujourd'hui j'utilise un élastique de 2,7, il n'y a pas de problème. Donc voilà, c'est un peu la nouveauté, je vais utiliser ça pour pêcher au bord aujourd'hui et pour pêcher en surface. Pour le large, il y a trop d'eau, il faut quand même un long kit et ça n'a aucun intérêt. Là pour le bord je vais l'utiliser. Des poissons qu'il faut vite sortir des obstacles, et du coup vu que le kit est un peu plus court, il est quand même plus facile à attraper rapidement, c'est quand même super agréable. Là on a vu, il y a eu une touche, c'est un poisson tout de suite, il y a moins de fausses touches qu'en pleine eau, il y a moins d'eau. Généralement dans les carpodromes, les poissons qui viennent au bord, c'est des poissons qui n'ont plus d'appréhension en fait. C'est des poissons qui ont passé ce stade et qui viennent vraiment dans les bordures pour s'alimenter. Ils regardent plus, ils sont plus méfiants, ils viennent vraiment pour manger. C'est pour ça que j'hésite pas à charger avec beaucoup de pelée, beaucoup de maïs. Généralement c'est aussi les plus jolis poissons. Là c'est des étangs qui sont énormément pêchés, comme beaucoup de carpodromes, et c'est des poissons qui sont éduqués. Généralement ce qui se passe c'est que les pêcheurs, à la fin de leur partie de pêche, ils jettent tout ce qui leur reste au bord, du maïs, des pelés, ils vont pas jeter ça à 20 mètres. Généralement on prend notre boîte et on la jette au bord. Donc c'est des poissons qui sont habitués à venir manger dans les bordures. C'est pour ça qu'elles viennent vraiment pour manger quoi. Comme je viens de vous dire, généralement c'est des plus beaux poissons, ça se vérifie. Magnifique commune. Donc là, je le disais tout à l'heure, les petits kits, même pour manier les poissons, arriver dans la tête d'épuisette, c'est super top parce qu'on peut le mettre sous le bras, sous le coude, on peut manier le poisson en même temps, alors qu'avec les longs kits, même un peu plus compliqué. Donc ça, c'est quand même un bel avantage de pouvoir mettre le kit sous le bras et de pouvoir décrocher le poisson plus facilement. Donc voilà, on a mis la ligne au bord, on a eu une touche assez rapidement. J'ai quand même la sensation que les poissons, ils se trouvent là où il n'y a pas beaucoup d'eau. Ça a chauffé tout de suite et la météo elle a changé, les eaux ont chauffé trop vite et je pense que les poissons se tiennent vraiment dans la première couche d'eau, là il n'y a pas beaucoup d'eau.
Donc aujourd'hui, à mon avis, je vais avoir plus de touches au bord qu'en plein eau, au bord et même en surface, je pense. Donc voilà, j'ai remis une coupelle au bord. Je vais être amené à y revenir y prendre un poisson de temps en temps parce que je sais que ça y mord et que les poissons sont plutôt jolis. Mais je vais quand même aller refaire un coup un peu plus loin à 6 bouts de canne avec une micro-coupelle, pas mettre beaucoup à manger pour pas les exciter, pour éviter les fausses touches, et avec un expandeur, et on va voir ce que ça donne. Donc là, pour rouvrir mon coup à 6 éléments de canne, donc un peu plus loin que mon coup à la patte sur lequel j'ai commencé, je vais pas mettre grand chose au début, je vais mettre un peu de pelée mouillée, quelques pelées de 4. Je vais pas mettre grand chose, je vais commencer comme ça pour essayer de prendre un poisson et ensuite j'aviserai. Donc là, les spandeurs, il y a trop de fausses touches, je pense qu'il y a quelques poissons blancs, donc je vais essayer un grain de maïs. Donc le grain de maïs, je lèche toujours par la partie supérieure, la partie la plus dure. Je vais bien ressortir la pointe, comme ça on peut un peu ferrer tout le temps sans que le maïs se déplace. Si le maïs tourne, généralement c'est pas bon, ça nous fait rater quelques touches, donc c'est pour ça que je le pique vers la partie la plus dure et je laisse bien ressortir la pointe. Donc au maïs c'est mieux qu'à l'expander. Pour la ligne en plein eau, j'utilise une ligne un peu plus fine, bon un peu plus fine, c'est relatif, du 18 centièmes, avec un élastique de 2,15, le nouvel élastique de chez Sensas, c'est top. Et avec un hameçon de 16, pareil en 18 centièmes. C'est des poissons normalement plus petits qu'au bord et au large, il y a plus d'eau, donc c'est largement suffisant. Ça se vérifie, c'est des poissons quand même beaucoup plus petits qu'au bord. Mais bon. Sur les pêches en plein eau comme ça, généralement on a plein de fausses touches. J'aime bien utiliser une bannière assez courte pour être vraiment réactif à la touche. La carpe, elle arrive, elle aspire, ça fait une petite touche. Le fait d'avoir une bannière assez courte, ça permet d'être assez réactif et de limiter de rater trop de touches. Donc ça c'est top là, ces petites perles, parce que ça permet de régler un peu la tension d'élastique. Moi ce que j'aime bien faire c'est le tendre un petit peu, et en fait au ferrage je me mets juste en opposition, ça tend, comme l'élastique est un peu raide, ça va quand même bien piquer la bouche du poisson. Ensuite la carpe va partir, forcément l'élastique en tension il va s'affiner un peu et ça va coulisser dans la perle, et après ça permet d'avoir quand même une bonne réserve d'élastique pour pouvoir travailler le poisson. Donc au ferrage, grâce à ces perles, au ferrage, un ferrage assez sec, assez efficace. Et ensuite, la réserve d'élastique qui part pour pouvoir travailler le poisson correctement. Magnifique poisson. Donc voilà, maintenant on va attaquer la quatrième technique du jour et on va commencer à grainer, essayer de prendre des poissons entre deux eaux. Quelques poissons qui sautent, donc on verra bien si les poissons répondent à l'agrainage entre deux eaux ou en surface. Le plus dur sur la pêche en surface, c'est d'avoir la première touche. Généralement, une fois que les poissons se sont mis dans la bonne couche d'eau et se mettent un peu en compétition alimentaire sur les pelées qu'on jette. Ce qui est important sur cette pêche en surface, c'est que
ça tombe tout le temps justement pour que les poissons se mettent en concurrence alimentaire, et ça confirme un peu ce que je pensais. Je pense que les poissons se tiennent vraiment dans les couches d'eau où l'eau s'est réchauffée rapidement. Magnifique poisson. Ce qui est important, c'est que même quand on travaille le poisson, il faut toujours grainer. Alors c'est pas évident, mais il faut quand même grainer pour que ça continue à tomber, qu'elle se mette en concurrence alimentaire. Si on arrête de le faire, les poissons naturellement ils vont redescendre au fond, on va perdre les poissons et ça va pas aller. Il faut vraiment qu'il y ait toujours quelque chose qui tombe. C'est pour ça que quand on commence cette pêche là, généralement il faut y rester parce qu'on peut pas faire autre chose. Faut vraiment toujours mettre à manger. Et moi, sur cette pêche-là, ce que je préconise, parce que bon, c'est quand même pas quelque chose... Enfin, si ça marche, c'est super, on va prendre plein de poissons. Par contre, si ça marche pas, ben, on se pourrit un peu tout le reste, c'est plus compliqué après. Donc, je le fais toujours un peu plus court, là, à 11 mètres. Si jamais je vois que ça va plus, que les poissons, ils veulent pas monter en surface, ben, j'aurai toujours un autre bâton, mon bâton de 13, pour pouvoir aller refaire des coups en pêchant classique. Si on attaque ça tout de suite à 13 mètres, ça va pas, parce que les carpes, généralement, elles reviennent jamais, elles s'éloignent toujours. Donc au moins, en le faisant comme ça à 11 mètres, si ça marche pas, j'ai toujours une réserve et je peux toujours mettre un bâton de canne pour aller chercher les carpes. Donc on est dans la moitié de la pêche. Clairement, la technique qui domine, c'est quand même le bord. Les poissons sont déjà plus jolis, la cadence de touche est supérieure aux autres techniques utilisées. En plus, il n'y a pas trop de déchets, les poissons ils viennent vraiment pour manger, ça se sent. Après, on a fait un beau passage sur la pêche en surface, à grainer. On a pris 2-3 beaux poissons tout de suite. Ça s'est arrêté, il n'y a plus de soleil, le temps s'est couvert. Je pense que les poissons sont redescendus un petit peu. S'il avait fait un peu plus de soleil, je pense que ça aurait vraiment été intéressant de le faire. La pêche à la patte, ça n'a pas été terrible. J'ai pris 2-3 poissons, j'ai raté quelques touches. C'était pas ce qu'il fallait aujourd'hui. Il y a trop de petits poissons, je pense. Ça les affole trop. Je suis tout seul, il n'y a pas de concurrence. Donc ça attire beaucoup de poissons et c'était vraiment pas le bon truc. Ça n'a pas été mauvais. Par contre, ça a été d'allonger un petit peu, de pêcher sur pas grand chose. Micro coupelle de 4 secs avec un maïs dessus. Là, j'ai pris des poissons. Par contre, c'est des poissons un peu plus petits. Donc là, vraiment, ce qui domine, c'est le bord et la surface. Donc voilà, on va continuer à se faire plaisir et prendre quelques poissons au bord. Elle est belle. Juste avant de remettre la ligne dans l'eau, je vais bien m'assurer que la perle elle est au maximum de la tension pour pouvoir sortir ces poissons des obstacles. Donc ça c'est vraiment bien là, ce système de perles. Ça permet de faire les bons ferrages et d'avoir une puissance à la touche pour pouvoir sortir les poissons des arbres. Et là, les travailler correctement après, franchement c'est top. Puis là maintenant on prend que des beaux poissons au bord, c'est vraiment le sacré poisson. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est des poissons qui sont quand même éduqués, qui sont souvent pris, qui voient souvent les bourriches. Donc il faut un peu s'adapter à tout ça et se dire que bah voilà, là on a pris une quantité de poissons. Peut-être que les poissons ils assimilent cet endroit-là au fait qu'ils vont se faire piéger et se faire prendre à l'hameçon. Donc il faut toujours changer de coup, changer les techniques. Et voilà, c'est un peu comme ça que moi que j'aborde la pêche en carpodrome, c'est que dès que je vois qu'il y a un coup qui s'épuise un peu, bah j'essaye de faire autre chose. Je redécale, je ressonde, je remets à manger. Voilà, faut toujours chercher et toujours être en activité, jamais s'endormir.
voilà, la partie de pêche touche à sa fin, donc c'était top, on s'est amusé, on a pris plein de carpes. Bon, naturellement, c'est tout seul au bord de l'eau, donc c'est toujours plus facile quand on est tout seul. Maintenant, si on avait été 20 autour de l'eau et que ça avait été une compétition, je pense que j'aurais abordé la chose un peu différemment. J'aurais bien entretenu mes bordures, une bordure de chaque côté. Et à mon avis, la pêche, ça aurait été de prendre un poisson ou deux, de refaire des coups sur des petites coupelles avec pas beaucoup de pelée dedans pour pas trop les affoler, avec un grain de maïs. Voilà, je pense que ça, ça aurait été la configuration un peu compétition. Maintenant, aujourd'hui, j'étais tout seul au bord de l'eau, donc j'ai pris plein de poissons. Ce qui a été bon, c'est les bordures. À la fin, j'ai même refait un coup vraiment dans pas d'eau, et là, j'ai vraiment pris que des grosses. Le coup à gauche a été aussi très très bon tout le long de la partie de pêche. La pêche en surface, ça a donné un petit peu, et après malheureusement le soleil s'est caché et là ça a été un peu plus compliqué. Donc voilà, ça c'est pour la partie pêche. Pour la partie matérielle, donc je vous disais ce matin, c'était pour moi aussi l'occasion de tester les nouveaux kits, donc les petits kits, c'est top, franchement, c'est une sensation un peu étrange, différente au début parce que c'est vraiment court, donc on a l'impression de rien avoir dans les mains, mais c'est léger, c'est rigide et c'est super agréable pour travailler les poissons. En plus, la couleur grise, ça se confond parfaitement avec la luminosité, donc c'est parfait. Après, c'est des kits que je vais utiliser pour pêcher le bord dans pas beaucoup d'eau. La surface, c'est que des kits que je vais utiliser pour pêcher dans pas beaucoup d'eau. Par contre, une chose est sûre, c'est que ça tient. À la fin, on a même harponné un poisson de 6-7 kg. Ça tient, il n'y a pas de problème, c'est costaud, vous pouvez y aller. Moi, aujourd'hui, je l'ai équipé avec un élastique, le nouvel élastique de 55 orange. Franchement, c'est top. Ça permet de tirer un peu sur les poissons. Donc voilà, la bonne surprise de la journée, ça a été les kits. Maintenant, j'espère que vous allez avoir autant de plaisir à regarder la vidéo que moi j'en ai aujourd'hui à prendre des carpes. À bientôt au bord de l'eau.